Je lance. Fixe, post serve, template. J'aurais dû venir un peu plus vite vu le temps qu'il me faut. Décidément. Qu'est-ce que c'est que ça? Tout égal. Désolé. Ça aurait pu démarrer. Ah si, excusez-moi. C'est pas vrai, il manque pas un fichier quand même. Mode panique. Je retrouve plus mon fichier. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ipython Jupy. Ah si, je me suis trompé de. Voilà. Désolé pour le contretemps. Si, si, mais c'est moi, je me mêle des pinceaux dans mes noms de fichiers. J'ai du mal à le fermer celui-là. Hein? Suis où là? Voilà. Vous voyez ce qui se passe? Ça, c'est pour moi. Donc, excusez-moi pour le petit contretemps. Donc, le but de cette petite conférence est de vous présenter les possibilités, ce que sont Ipython et Jupyter. En particulier le notebook, je pense que c'est ce qui va le plus vous intéresser. Donc, histoire de faire les choses bien, la présentation est elle-même faite avec Jupyter et le notebook, d'accord? En mode présentation. D'accord? Donc, bon, on va aller dans le vif du sujet, on ne va pas tarder. Donc, un petit peu d'histoire. Ah bah pour situer un petit peu tout ça. Donc au début, il n'y avait que Ipython. Alors Ipython existe toujours. Hein. Donc Ipython, qu'est-ce que c'était? Eh ben, c'était un shell évolué, un shell Python évolué. Enfin, c'est toujours un shell Python évolué. C'est-à-dire que, vous savez, quand vous lancez Python sans argument, vous avez un shell interactif avec lequel vous pouvez
envoyer des commandes et qui sont interprétées et avoir immédiatement le résultat de l'exécution. Mais il est un petit peu frustre. Alors, vous avez aussi IDLE, mais le problème du IDLE, c'est qu'on a des couleurs, c'est sympa, on a de la documentation, mais il est extrêmement lent. Alors qu'avec ePython, on a un shell, hein, aussi réactif que le Python standard, mais avec en plus de la coloration syntaxique, de l'autocomplétion, une aide en ligne, l'historique des saisies et des résultats. Alors ça paraît rien comme ça, dire l'historique des résultats, mais ce qu'on appelle des résultats dans ePython, hein, ePython affiche la dernière expression évaluée. Donc les résultats, ce sont des objets. Donc avoir l'historique des résultats, c'est-à-dire qu'on peut accéder à tous les objets qui ont été produits, hein, pardon, pendant la session ePython. Donc ça a son importance, en particulier pour la gestion mémoire. Vous avez une aide en ligne, vous avez des commandes système, vous avez accès aux commandes du shell. Vous pouvez faire des ls, des cd, des makedir, des rmdir, tout ce que vous voulez. On va voir comment tout à l'heure. Il y a des commandes propres à ePython, hein, des commodités qui vont apporter une plus-value. On va voir un petit détail tout ça. Et puis après, vous avez la possibilité aussi de vous intégrer à n'importe quelle boucle d'événements d'un toolkit graphique. Alors pourquoi? À quoi ça sert? Ben justement, le but d'un shell interactif, c'est pas d'écrire des scripts, hein, c'est d'expérimenter, hein, d'interagir. Donc on peut expérimenter avec des données scientifiques, si on utilise ePython dans le cadre scientifique. Mais ça peut être n'importe quoi. Et en particulier, si vous voulez expérimenter avec des toolkits graphiques, soit Qt, WX ou GTK, eh bien, vous pouvez, grâce à cette intégration, monter de manière interactive. Hein, hop, je crée une fenêtre GTK ou Qt, hop, je rajoute un bouton dedans, une zone de saisie, etc. Et pouvoir comme ça apprendre de manière interactive. Comment construire des interfaces graphiques. Et vous avez aussi PyLab, je ne vais pas insister dessus, c'est un environnement qui vous permet de restituer au démarrage un environnement, enfin la couche de sa charge NumPy, SciPy, Matplotlib et les commandes de compatibilité MATLAB pour ceux qui viendraient de MATLAB. Et donc, ePython n'en est pas resté là, hein, ça a continué d'évoluer et puis ils se sont dit ben c'est intéressant une interface graphique mais c'est un petit peu une interface texte pardon mode console c'est intéressant mais c'est un petit peu limité surtout si on veut afficher des graphiques ou du texte un petit peu plus riche à l'intérieur. Donc ils ont inventé le notebook. Alors le notebook c'est une interface web donc interactive avec laquelle on va pouvoir toujours on a toujours cette interactivité, la possibilité de rentrer du code, de l'exécuter, de voir immédiatement le résultat produit, mais avec tout un avantage d'un affichage riche. Hein, c'est-à-dire que dans un seul document, on peut à la fois noter des commentaires, noter du texte riche, avec une mise en forme, du grade, d'italique, des listes, des titres. Donc tout ça via le formalisme Markdown. Donc le Markdown, c'est le même que celui de GitHub. Donc si vous êtes déjà habitué à écrire de la documentation, des messages dans GitHub, vous vous retrouvez tout à fait à l'aise avec le notebook. Vous pouvez même rentrer des fragments d'HTML. Vous pouvez insérer des formules mathématiques, et là vous utilisez la syntaxe LaTeX, pour ceux qui connaissent. Donc insérer, exécuter du code Python, mais aussi mettre des images, des vidéos, toutes sortes de choses que HTML5 peut rendre. Hein, on est vraiment dans un environnement HTML5. On peut capturer les sorties de Matplotlib, qui est la bibliothèque de graphing Python dans le monde, on va dire, graphes mathématiques et scientifiques. Et bien plus encore. On verra, on peut même créer des mini interfaces utilisateurs avec boutons et curseurs, etc. dans le notebook. Donc tout ça, vous voyez, c'est quelque chose. On va voir des exemples, oui, parce que je vous dis ce qu'on peut faire avec. L'idée, c'est de voir à quoi ça ressemble. Donc j'espère que j'aurai un peu plus de chance avec le réseau que ce matin. Hein? Donc, des exemples disponibles sur Internet. Ouais, ça marche. Ah, vous voyez, j'en reviendrai là-dessus tout à l'heure, mais GitHub intègre de manière native un visualisateur de notebook. Donc si vos notebooks sont gérés sur GitHub, vous pouvez avoir le rendu directement sur GitHub. Donc là, c'est un exemple, vous voyez. Donc là, ici, on a une cellule texte donc qui met en place un certain nombre d'environnements, donc il n'y a pas de sortie. Donc là, il y a une mise en forme, un titre, du texte, hein, c'est bien présenté.
Hop, là encore du code avec une sortie graphique qui est capturée par le notebook. Et donc là, on peut créer toutes sortes de choses. Voilà. Donc, oui. Donc là, j'ai pris des exemples simples hein, pour pas vous assommer de choses qu'on peut faire. On peut faire des choses beaucoup plus élaborées hein, en allant crescendo, on va dire. Donc ça vous donne un petit peu le goût de ce qu'on peut faire avec Jupiter. On va voir comment tout à l'heure. Donc ici, voilà, ça, alors, tout à l'heure c'est une application plus pour le traitement du signal son. Ici c'est pour de la chimie. Donc un petit article sur la chimie. Donc vous voyez, on peut insérer une vidéo YouTube. Donc elle met un peu de temps à s'afficher, voilà. Donc on peut la jouer, mais je ne vais pas gâcher la bande passante ici, vous voyez. Donc là, avec le formalisme LaTeX, on peut insérer des formules. Dans le cas présent, ce sont des formules de chimie. Écrire un texte explicatif qui est tout à fait lisible, bien mis en forme, du code, l'exécuter, avoir tout de suite le résultat, insérer des images, encore une vidéo, faire des petites calculs, etc., etc. Donc ça, c'était l'intérêt ici, c'était de me présenter un petit peu la mise en forme des formules, qui est tout à fait très bonne qualité typographique, on va dire. Je reviens sur ici, voilà. Tu peux couvrir les différentes possibilités. Ici, ce que je voulais voir, qu'est-ce que c'était? Voilà, donc là, plus avec du formalisme mathématique, des sorties, vous voyez. Donc, l'intégration de différentes bibliothèques. NetworkX, c'est une bibliothèque qui est très connue si vous faites de la théorie des graphes en Python. Vous étiez NetworkX. Et NetworkX est naturellement intégré une sortie graphique compatible avec le notebook. Donc, les graphes que vous traitez avec NetworkX, vous pouvez les afficher dans votre notebook et voir exactement à quoi ça ressemble. Donc ça, c'était une chose intéressante à voir ici. Et enfin, dans le dernier cas, dernier exemple, hein, de mettre. Si vous faites plutôt dans le traitement de l'image, c'est toujours intéressant d'avoir à proximité l'algorithme qui fait le traitement et le résultat du traitement. Et donc là aussi, c'est tout à fait possible avec le notebook Matplotlib. Donc ça, c'est vraiment utilisable dans toutes sortes de contextes, hein, différentes disciplines scientifiques, où Python est très présent. Hein. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens avec une coloration scientifique ici. Hein, il y a deux grands domaines hein, où Python rencontre du succès. Il y a le web, d'une part, et le domaine, le monde scientifique. Donc là, ça va être trop long, on ne va pas insister. Hein. Mais on peut afficher donc, je dis, des images, des traitements qui ont été faits, hein, puisque Matplotlib affiche aussi les images. Donc là, bon, on est tributaire du réseau pour cette partie-là. Donc, enfin Jupiter. Donc, vous voyez, le notebook en lui-même, c'est un projet en soi, d'accord? Donc, du coup, il a été décidé, comme ça a connu beaucoup de développement, beaucoup de succès, ça a été sorti du projet Python. Et c'est devenu le projet Jupiter. Donc, du coup, à partir de la version 5, version 4, pardon, de ePython, on est actuellement à la version 5 et des poussières, le projet ePython a été éclaté. Donc, il y a la partie, le projet Jupiter, qui va couvrir Notebook, console et Qt console. Alors Qt console, j'en parle pas beaucoup. C'est un positionnement un peu bâtard entre le notebook et console. Donc ça, c'est vraiment toutes les parties interface. Et derrière, ePython, vous allez avoir le ePython classique, qui est toujours disponible, et ePython en mode kernel, en mode noyau, hein, c'est-à-dire un petit serveur qui va communiquer avec le notebook. Vous avez aussi les IPy widgets. C'est des éléments d'interface utilisateur HTML qu'on va pouvoir intégrer dans nos notebooks. J'en parlerai tout à l'heure, j'ai une petite démo aussi. Et puis deux autres éléments, deux autres sous-projets que je n'aborderai pas ici puisqu'ils sont un peu hors sujet. C'est IPy parallèle parce que alors, le projet ePython se sont aussi lancés dans tout ce qui est framework de calcul parallèle, multiprocesseur, multi-machine, avec différentes stratégies. Donc ça, c'est un sujet en soi. Et Traitlets, c'est leur système de conf interne qui est commun à tous ces projets. Donc l'architecture, comment ça se présente? Donc vous voyez, il y a le... Je peux pas trop me déplacer là. Ça, si, c'est libre, il n'y a pas de fil. Donc, ici, vous avez ce qu'on appelle le noyau. Donc c'est par exemple, ça va être la ePython, la boucle d'interprétation et d'exécution Python, et qui va communiquer avec 0MQ. Avec différentes interfaces, soit Jupyter Console, une console
texte classique, on va dire, soit avec le serveur de notebook, qui lui-même a ses données, par exemple son notebook file, où là on va avoir les images, le texte mis en forme, les formules. Hein, ça c'est pour le kernel, il déléguera au kernel l'exécution des cellules de code. Et puis le notebook serveur lui-même communique avec le browser via HTTP WebSocket pour un maximum d'interactivité et de réactivité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main, à m'interrompre. Hein. Alors, ePython lui-même, voilà, donc l'état actuel. Donc, il y avait la possibilité d'interagir avec ePython soit directement avec la sortie et l'entrée standard, soit via le protocole 0MQ, qui est enfin, via 0MQ qui gère la communication et le protocole qui est à base de JSON. Et donc là, c'est la partie, c'est, on va dire, le mode noyau de ePython, et là, qui va communiquer avec les interfaces Jupyter. Donc ça, c'est pour l'architecture interne. Maintenant, pour les choses plus en pratique. Alors, du fait de cette séparation des concerns, des soucis, on va dire, Jupyter, il peut fonctionner après tout avec n'importe quel noyau implémentant le protocole. Et de fait, plus de 70 noyaux sont déjà disponibles dans divers langages. Donc, on peut utiliser le notebook avec d'autres langages que Python. Donc, ceux que ça intéresse pourront suivre le lien. Donc, voilà. Donc, je vais vous présenter un petit peu assez rap rapidement ePython en mode shell, donc interaction directe par entrée et sortie standard et Jupyter console avant de passer aux choses plus visuelles qui sont le notebook. Donc, si on regarde, si on lance les deux côte à côte, donc on voit rien. Voilà, bon. Mais de toute façon, il n'y a pas grand-chose à voir, hein, c'est exactement la même chose. Il y a juste le message d'entête qui vous dit ici vous êtes dans Jupyter Console, ici vous êtes dans ePython. Donc, par contre, fondamentalement, les choses sont un petit peu différentes. Hein. C'est que quand j'ai lancé la commande Jupyter, je ne l'ai pas forcément vu, mais ça a lancé deux processus. Le processus Jupyter Console, qui affiche la console graphique, et derrière, le noyau Python. ePython. Alors que, voilà. Et donc, alors, ça, c'est si je précise rien, il va lancer un noyau s'il n'y en a pas d'existant. Mais je peux très bien demander à Jupyter Console de se connecter à un noyau existant, éventuellement distant, sur une autre machine, via SSH. D'accord? Donc, ce qui me permet d'interagir avec un processus Python qui tourne, a priori, n'importe où. Et donc, voilà. Donc, plusieurs consoles Python peuvent partager le même noyau, mais attention, c'est un même noyau, monothread, donc c'est le même environnement. Donc, s'il y en a un qui occupe, s'il y a une des consoles qui lance une commande, l'autre console, en attendant, est bloquée, puisqu'il travaille vraiment sur le même noyau. Alors que si on lance ePython, donc là, il y a un seul processus et on communique directement avec lui via STDIN, STDOUT et STDR. L'intérêt, bon, c'est déjà, ça consomme moins de ressources, et ça aussi, ça permet aussi d'utiliser ePython comme un shell système. C'est ce que je fais maintenant depuis peu. Parce que quand vous allez envoyer des commandes système, éventuellement interactives, comme vous avez directement sur l'entrée et la sortie standard, vous pourrez interagir avec elles. Alors que via le protocole 0MQ, ce n'est plus possible. Alors là, je voulais faire une petite démo, mais je ne sais pas si j'aurai vraiment le temps. On pourra revenir dessus tout à l'heure éventuellement. Hein, parce que j'ai déjà passé un quart d'heure là. Donc je reviendrai éventuellement sur la démo en fin de séance si j'ai du temps. Vous pourrez les faire elles-mêmes. Il y a des slides cachés qui ne sont pas affichés. Si vous avez récupéré le support, vous avez le détail de la manip à faire. Donc, quels sont les services fournis par ePython? Alors, que ce soit en mode console ou en mode notebook, on va retrouver les mêmes services. Sauf que dans le mode notebook, on aura la possibilité d'exploiter les services graphiques et pas en mode console. D'accord? Donc, avec ePython. Donc, je vous ai dit, c'est un shell évolué. Donc, il permet la coloration syntaxique, la complétion automatique. Et aussi la possibilité d'éditer assez confortablement du texte, que ce soit en mode console ou en mode notebook. Et puis Python, par définition, affiche le dernier résultat, enfin le résultat de la dernière évaluation, sauf si c'est none.
Donc là, je ne sais pas si vous voyez un petit peu plus. Vous voyez, je suis en mode console et là, j'ai pu rédiger assez confortablement toute la définition d'une classe. J'ai pu l'instancier, hein, évaluer, appeler une des méthodes. Et là, je vois que par introspection, de manière très commode, sur ma propre instance de mon propre code, si je fais démo point et j'appuie sur tab, j'ai un petit menu qui apparaît avec la complétion automatique. Donc on va retrouver ça aussi en mode notebook, mais sur une présentation différente. Et là, pour le coup, là, je prendrai le temps de faire la démonstration. On a une documentation en ligne. Donc vous connaissez peut-être tous déjà la commande help de Python qui vous permet de consulter les docstrings, donc la documentation embarquée d'un objet. Eh bien, on a des raccourcis avec ePython, hein, avec la syntaxe point d'interrogation. Vous mettez après en préfixe ou en postfixe. Ça vous permet d'avoir d'afficher la documentation de l'objet. Et si vous voulez avoir carrément la définition de l'objet, avec le double pourcent, double point d'interrogation, vous affiche le source du code en question. Donc là, il y a une petite session, je me rends compte que ce n'est pas très lisible. Hein. Donc on utilise, voilà, on définit une chaîne, hein, S égale bonjour Python, bonjour la PyCon, S.capitalize point d'interrogation, et hop, ça affiche directement la docstring, la documentation concernant cette méthode. Vraiment, on peut interroger n'importe quel objet. Et là, pour montrer qu'on peut avoir le source s'il est disponible, je me suis arrangé pour importer un objet, une définition dont le code de source pardon, est disponible. Et donc, si je fais deux points d'interrogation sur un objet ou une fonction particulière, il va vraiment se positionner vraiment sur la définition de ce petit code source. Donc, ça permet vraiment de se rafraîchir la mémoire pendant qu'on fait une petite exploration interactive. Alors, on peut exécuter effectivement des commandes du shell. Pour ça, on a une syntaxe particulière. Donc, ça marche là, avec la commande point d'exclamation. D'accord? Et le reste est passé tel quel au shell du système. Donc, par exemple, ici, donc, ça marche aussi bien en notebook qu'en console. Sachant qu'en console, si vous êtes en ePython pur, vous pouvez lancer des commandes interactives. Là, si je lançais une commande interactive, genre top, je ne pourrais plus quitter. Et donc, je resterais coincé. D'accord? Je peux le faire qu'avec ePython, on va dire pur. Donc voilà, par exemple, la commande head de Unix qui permet de consulter les premières lignes d'un fichier. Voilà. Ou la commande, alors, voilà, je suis sous Unix, donc voilà. Ou uname, voilà, avec un petit tiret. Tout le truc est passé tel quel. Et je récupère le résultat de cet appel de fonction. Donc ça peut être très commode. À présent. Et ePython fournit des commandes propres, ce qu'ils appellent les magics. Donc ça commande soit par 1%, ça s'applique à une ligne, ou double pourcent quand ça s'applique à toute une cellule. Alors la notion de cellule est plus dans le cas du notebook. Donc elles sont documentées telles quelles, hein, soit des commandes ligne, soit des commandes cellules, ou bien les deux. Donc elles peuvent faire pas mal de choses hein, dans Python. Ça permet de définir des alias. Donc des alias de commandes. Hein. Si par exemple je tape en mode console LL, ça me fait un ls color -l automatiquement dans le shell. Et donc ça ce sont des alias qui ont été créés a priori. Et moi, je peux en rajouter. Ça peut activer un sous-système graphique, par exemple activer la capture des graphes Matplotlib. On peut s'en servir pour enregistrer la session, mesurer des temps d'exécution. Faire une recherche par expression rationnelle dans tout l'historique des commandes qu'on a lancées, des choses comme ça. Et donc, il y a une commande magique pour consulter la doc des commandes magiques, c'est quickref. Donc là, c'est pareil, hein, pour tout ce qui est aspect console, comme c'est pas forcément ce qui vous intéresse le plus, c'est des démos que je garde en bonus pour la fin éventuellement. Garde l'heure. Donc le Jupiter, fameux notebook, donc hein, beaucoup plus riche, beaucoup plus intéressant selon les applications. Parce que le shell, moi je l'utilise à la place de Bash, en shell interactif, en shell système, et j'en suis très content. Alors, donc avec le notebook, on a toujours accès au même service que je viens de présenter, donc tous les services ePython. Mais on a en plus le droit à l'affichage riche des objets. Donc je vais détailler là-dessus tout à l'heure. Et plus la possibilité d'insérer du texte formaté en Markdown et en LaTeX. Et tout ce que HTML peut gérer, donc des images, des vidéos,
du son, hein, des petits players de toutes sortes pour jouer du son, et il n'y a aucun souci. Et donc les documents qu'on a créés avec le notebook sont enregistrés au format IPYNB, donc ePython Notebook, historiquement. Ça n'a pas été renommé. Et qui sont des documents de JSON. On va voir l'intérêt, hein, c'est que comme c'est du texte, c'est facile à gérer avec un système de contrôle de version. Donc démarrage et organisation de l'interface. Hein? Alors là, je vais prendre un peu plus de temps. Donc je vais ouvrir une console. Donc hop, j'en ai une ici, je vais zoomer le texte. Contrôle plus, plus, plus. Qu'est-ce que fais-je? Voilà. Effectivement, si je l'accroche pas, la souris, ça va être plus simple. Oups. Voilà. Oh, je peux encore grossir le texte. Hein. Voilà. Donc ici j'ai plein de notebooks, hein, donc c'est intéressant. Donc ce qu'on fait, on lance la commande Jupyter. Alors je vais pas parler de l'inst... Alors, notebook, notebook. Alors pour l'installation de Jupyter, donc soit vous êtes sous un système Linux et vous avez utilisé le système de package de votre distribution, hein, ou bien vous êtes sous Mac ou Windows, et dans ces cas-là, si votre... votre finalité d'usage, c'est plus dans une ambiance scientifique. Dans ce cas-là, je vous conseille d'installer une distribution qui est devenue maintenant la norme en termes de Python scientifique, qui est aussi disponible sous Linux, hein, qui est Anaconda Python. L'intérêt, c'est que vous avez un seul installeur, il vous installe tout, y compris le notebook, les SciPy, les NumPy et tous les scikit-learn, scikit-image, tout ce qu'il vous faut pour faire du traitement d'image, de computer vision, de l'apprentissage machine ou du calcul numérique, là qu'on a Python, avec un seul installeur et tout est parfaitement bien configuré et opérationnel. Et en particulier le notebook, si vous êtes sous Windows ou Mac, vous allez dans votre menu démarrer, et il y a une entrée notebook et il vous le lance aussi simplement que ça. Donc là, moi, je suis en mode manuel, hein, pour détailler un petit peu. Donc Jupyter Notebook, entrée. Et donc, il lance soit un navigateur s'il n'y en a pas un déjà lancé, soit il va ouvrir une nouvelle fenêtre ou un nouvel onglet dans un existant. Donc là, comme j'en ai déjà un d'ouvert, voilà, il m'a ouvert un nouvel onglet. Donc là, j'ai déjà pré-zoomé, hein, normalement c'est pas si gros, ça permet de voir. Donc là, vous avez la possibilité, ici, New. Vous avez possibilité d'ouvrir, de créer un nouveau notebook. Ah, je me trompe de bouton. Niveau notebook, voilà. Donc ici, j'ai un seul noyau d'installer, c'est le noyau Python 3. Voilà. Vous pouvez avoir plusieurs noyaux, un Python 2, un Python 3, un iRuby, un iJulia. Vous avez énormément, je vous ai dit, il y a plus de 70 noyaux disponibles si ça vous intéresse. Donc je peux en créer un nouveau ici, hop, voilà. Donc il me lance, voilà. Et donc j'ai une interface ici, je peux insérer des nouvelles pour insérer des cellules au-dessus, au-dessous. On a des raccourcis clavier, j'en parlerai tout à l'heure. Pour manipuler le noyau derrière, le redémarrer, l'arrêter, exécuter toutes les cellules, tout ce qu'il faut pour éditer. Donc par défaut, là j'ai une cellule de texte. De code, oui, je peux exécuter du code, je peux mettre du markdown, à ce moment-là, je vais travailler ma cellule en markdown, voilà, et je peux exécuter tout ce que je veux, d'accord? C'est du gras, voilà, je fais un truc un petit peu simpliste, d'accord? Et pour ouvrir une cellule, quand on est sur le mode ici, voilà, pour ouvrir un notebook, il suffit de cliquer dessus. Donc déjà, par exemple, celui qui va me servir tout à l'heure, ça, il sera déjà ouvert. Voilà. Je reviens ici. Oui, c'est un notebook. Il est sur la clé que j'ai fait circuler.
Alors quand j'ai démarré, alors il est du type slide. J'en parle un petit peu à la fin, parce qu'on a des métadonnées qu'on peut associer à chaque cellule, et puis je peux dire cette cellule-là, c'est un slide principal, après un slide secondaire ou un fragment, et qui permet de piloter de manière sémantique les différentes animations. Donc l'interface, voilà, contenu, on a une notion de cellule, on peut purger les sorties, bon, ça, c'est classique, les raccourcis clavier, donc les raccourcis clavier qui sont documentés, vous avez une touche pour ça dans le menu Help, vous allez voir, vous avez les raccourcis clavier. Donc l'affichage RIS des objets, c'est important, vous savez qu'en Python classique, vous avez une fameuse méthode REPR qui vous permet d'avoir une représentation de l'objet, mais qui est en mode ASCII. D'accord? Donc IPython généralise sur ce principe et a injecté, alors avec des simples underscores cette fois, toute une déclinaison de représentations, HTML, JSON, PNG, JPEG, LaTeX et SVG. Et le notebook est capable d'interpréter et d'utiliser ça. Donc, on a des objets ad hoc qui implémentent ce protocole. Par exemple, si je veux afficher une image, j'utilise l'image, la... Alors, soit je crée dans une cellule Markdown un fragment HTML qui va inclure une image avec les chevrons, soit j'utilise cet objet. D'accord? Logo image, logo Python. Et si je regarde, cet objet possède une méthode qui s'appelle représentation PNG. Effectivement, si je l'invoque et je regarde les 10 premiers caractères, les 10 premiers octets, j'ai bien du code PNG qui est directement envoyé au navigateur. Sur le même principe, si je veux afficher de l'audio, hop, il m'affiche un petit comment c'est possible. Et bien si on regarde. Mon objet song a une méthode représentation HTML et qui va sortir du HTML5. Pareil, on a une bibliothèque tiers, par exemple Pandas, par défaut Pandas est capable de représenter ses data frames sous forme de tableau HTML. Donc là, un petit clin d'œil au Big Data Rennais avec les statistiques de la bibliothèque des champs libres. Et là, une autre bibliothèque tierce là, qui va exploiter l'affichage LaTeX, c'est SIMPy, c'est une bibliothèque de calcul symbolique en Python. Donc voilà, si je fais le développement en série de Taylor de cosinus au voisinage de 0 jusqu'à l'ordre 6, ça me fait des petites choses. Et là, un truc complètement absurde, hein, une dérivée, une fonction improbable, histoire d'avoir un petit affichage sympa. Et je peux capturer les sorties de Matplotlib. Voilà. Une petite fonction, toc toc. Et si ça c'était un Matplotlib inline, avec la directive Matplotlib notebook, j'obtiens un résultat semblable mais interactif. Donc là c'est une image hein, parce que l'interactivité marche plus dans les slides, à moins d'utiliser une extension qui s'appelle Rise, mais qui est bon, pas tout à fait stable encore. Et en fonction, vous cliquez sur les boutons, ça vous permet de zoomer. Hein. Donc ces démos-là, par contre, je suis fourni avec le notebook là sur la clé. Où je vous donnerai une adresse web si vous les récupérez tout à l'heure. Ces démos-là, j'ai fourni dans un notebook aussi à part. Vous pourrez interagir et exécuter ces choses-là. Donc là, on me dit que j'ai pas beaucoup de temps, donc je vais éventuellement sauter cette partie-là. Hop! Je reviendrai sur les démos tout à l'heure. Cellule de texte riche. Donc je vous dis Markdown, HTML et LaTeX. Donc Markdown, vous connaissez, hein, c'est comme sur GitHub. Ça permet de faire des titres, des listes ordonnées, toutes sortes de mises en forme typographiques, sympathiques. On a même les extensions comme sur GitHub pour faire des petites tables. D'accord, les liens sont automatiques. Coloration syntaxique de code arbitraire. Donc là, je suis resté dans l'idée Python, mais on pouvait faire de la coloration de n'importe quel code. Hein, tout ce qui est disponible dans la bibliothèque Pigment, vous pouvez l'utiliser là. Du LaTeX, ben vous pouvez faire du LaTeX, c'est le formalisme que certains connaissent peut-être, voilà, qui vous permet de faire des formules intéressantes. Donc. Et les IPy widgets. Et ça, c'est pour une extension Python qui vous permet de rajouter des boutons et tout ça. Donc, vous pouvez rajouter des zones de saisie, des cases à cocher, des curseurs, des menus déroulants, et qui en temps réel vont piloter une fonction que vous leur aurez donnée. Et donc, c'est la clé réside dans la commande interact. Donc, l'essentiel, c'est from IPyWidget import interact. Et là, par exemple, j'ai une fonction. Donc, pour illustrer tous les cas possibles, de l'entier, du flottant, du texte et du codé éventuellement, et du booléen. Donc, une fonction démo qui prend tout ça en paramètre et qui affiche du texte un petit message pour dire voilà, voilà ce que j'ai reçu.
Et là, je branche Interac dessus et je dis, voilà, mon entier doit varier de 1 à 10, mon flottant de 0 à 1.0. Je n'ai pas précisé de page, je prends le pas par défaut. Du texte, je dois pouvoir choisir parmi pomme, poire et orange. Et du code, je vais pouvoir choisir entre clé 1 et clé 2, mais le résultat qui sera injecté dans ma fonction, c'est la valeur associée, c'est première clé ou deuxième clé. Et donc, quand j'envoie ça, qu'est-ce que j'obtiens? Voilà. J'ai une petite case à cocher pour mon booléen. Ah, je l'ai oublié. Donc, true par défaut, je décoche, ça envoie false à la fonction. Et la fonction, voilà, à chaque fois, je bouge un curseur, je sélectionne une autre entrée. Et là, ma fonction est automatiquement rappelée et l'affichage, donc ici en dessous, est mis à jour en temps réel, au fur et à mesure que vous bougez les curseurs. Et ça marche aussi avec une sortie graphique. Donc voilà, j'ai un curseur ici pour me permettre de faire varier la phase de mon sinus et on voit, comme sur un oscilloscope, ma courbe sinus s'animer. Et j'aurai peut-être le temps de faire une démo. Peut-être. Et enfin, NBConvert, c'est l'outil qui m'a permis de faire ce transparent, ces transparents avec Jupyter. On peut convertir donc les notebooks dans n'importe quel format, HTML, PDF, diapositive, avec Reveal.js, qui va faire les animations, donc c'est ce que j'ai fait. On peut convertir en pur Markdown, en Restructured Text, et on peut même en extraire des scripts. Bon, ça c'est... voilà, alors le notebook de cette présentation. Alors, c'est pas ça que je voulais faire. F11. Voilà, si je reviens ici, notebook home, ma présentation elle est ici, Python et Jupyter. Voilà. Toc, 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 ça charge, ça charge. Ouh. Bon, ma machine n'est pas une, voilà, c'est pas une machine de course. Alors, vous voyez, j'ai affiché ce qu'on appelle les métadonnées. Pour ça, j'ai été dans View, Cell Toolbar, et vous voyez, j'ai sélectionné Slideshow. Et donc là, je peux sélectionner pour chacune de mes cellules, si c'est un slide, un sous-slide, enfin une diapo, une sous-diapo, un fragment ou des notes pour moi, pour le speaker. Parce que le speaker a sa propre interface avec une petite montre qui me dit que ça fait déjà 33 minutes que je cause. Voilà. Et donc, voici, à chaque fois, je saisis. Donc ça, c'était... voilà. Je reviens ici. Donc les métadonnées de cellules. Et comment j'ai lancé tout ça? J'ai lancé tout ça. Ah ben, c'est déjà disparu avec NBConvert, mais on ne voit plus... non, c'est pas celui-là, c'est un autre, mais il y a tellement eu de sorties de log qu'on ne voit plus la commande. Donc, en plus, c'est personnalisable. Moi, j'ai pris les données, enfin la présentation brute de Foundry, mais vous pouvez. Il y a un template et des CSS qui vous permettent de personnaliser cette présentation. Alors, pour coopérer sur un notebook, comme je vous ai dit, on ne peut pas travailler simultanément à plusieurs sur la même instance de notebook, puisqu'on se marcherait sur les pieds. Hein, on partage les mêmes. C'est par défaut monoprocess. Donc. Cependant, comme c'est un fichier JSON, on peut très bien collaborer via un outil de gestion de version. Et si on utilise GitHub, on a vu GitHub supporte nativement l'affichage des notebooks, donc on peut partager par exemple via GitHub. Voilà, donc c'est ce que je viens de dire. Hein, comme c'est un fichier, on peut aussi se le partager ben, ici par une clé, j'ai une clé qui circule là quelque part, donc par le réseau, j'ai une archive, je vous donnerai l'URL si vous voulez à la fin, si pour vous rattraper. Et voilà le NBViewer en question. Et donc voilà, le NBViewer va vous servir pour des gens qui n'auraient pas Python, qui n'auraient pas Jupyter, ben vous leur faites une copie HTML. Donc ça va être la sortie du notebook figé en HTML ou une sortie PDF pour si c'est pour être encore plus de portabilité. Ou vous mettez ça sur GitHub ou sur le NBViewer public. Il y a un NBViewer public ici. Je peux le lancer. L'intérêt de ce NBViewer public, c'est que maintenant, on a des articles scientifiques qui commencent à être publiés dessus. Ben, j'ai pas voilà, la sauté, l'Internet. Voilà, la connexion Internet a sauté. Je vous laisserai voir ça. Donc maintenant, on a une vraie véritable bibliothèque de notebooks qui s'est constituée et vous avez accès aux sources. Donc vous pouvez le télécharger et l'exécuter vous-même.
Donc vous avez toutes sortes de. Tous les, une grande partie des exemples que je vous ai montrés tout à l'heure en sont tirés. D'accord? Et voilà, merci pour votre attention. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'on a du temps pour faire des petites démos? D'accord. Donc, si vous avez... Oui? Alors, en fait, vous savez, les terminaux, parce que par exemple, j'utilise Terminal GNOME, quand vous lancez un terminal, il vous demande quelle est la commande à lancer. Soit vous lancez le shell system, soit vous lancez Python. Donc, j'ai Python, mais c'est toujours Bash qui va piloter mon login. D'accord. C'est pas le, c'est pas, j'ai pas remplacé le shell system, j'ai remplacé mon shell interactif par Python. Oui, c'est interprété quand même du Python, ou alors j'utilise les commandes magiques ou les commandes exclamation quand j'ai besoin d'accéder au shell et lancer des programmes. D'accord. Sachant qu'il y a une commande magique particulière qui vous permet de charger sous forme d'alias tout votre path. Ce qui vous évite de passer par la redirection point d'exclamation. D'autres questions? Sinon, il n'y a pas d'autres questions, je fais la petite démo de ce que j'ai pas, de ce que j'ai montré en mode figé. Oui? Nouveau. Je regarde jamais les changelogs. la version 4, ils ont tout éclaté. Et la version 5, j'ai pas regardé parce que je l'ai tiré récemment et j'ai pas encore été regardé. Hein, mes slides doivent être compatibles avec la version 4 puisque j'ai rien fait de plus depuis. Voilà. D'autres questions? Non? Alors, c'est fini? Donc, je regarde la situation. Donc, j'en étais les démos ici. Oui? Oui, c'est ça, je voulais vous le montrer là directement en temps réel pour voir à quoi ça ressemble. Donc là, je charge les classiques, hein, Matplotlib et NumPy, parce que je vais faire des affichages. Alors là, c'était... je vais faire F11. Déjà, je vais gagner de la place. Donc ici, je peux gagner encore de la place en évacuant le header et le toolbar. Donc ici, j'illustre en passant... comment je peux contrôler aussi l'affichage avec tout ce qui est fourni par IPython Display. Là, je peux faire une animation carrément en temps réel en contrôlant la manière dont c'est affiché ou réaffiché. Donc ça, c'est une petite démo, vous pourrez regarder. Donc voilà, j'ai exécuté. Voilà. Hop. Donc là, il me rajoute sur un même canevas différentes fonctions. Donc ça, c'est un classique, hein, cette animation-là, c'est un classique pour illustrer cette affaire. Voilà, il a fini. Et donc, les fameux e-widgets. Voilà. Le mode notebook de Matplotlib. Je voulais vous montrer. Est-ce qu'il va démarrer? Ah. Voilà, je fais un four, là. Il me l'a mis où? Bon, il doit me manquer un morceau là. Désolé. Je ne sais pas ce qui se passe. Bon. Je recommence. Ah si, voilà. C'est parce que mon écran... l'écran est un peu petit, voilà. Donc la figure ici, j'ai des boutons d'interaction. Ça me permet éventuellement de zoomer dans une partie de la figure. Hop. Voilà, et me déplacer dedans. Donc là, c'est pas évident parce que mon écran n'est pas assez grand. Hop. Voilà. Donc ma machine est un peu lente et l'écran ne permet pas. Donc tant pis, je passe à la suite. Donc j'espère que là, ça va rentrer dans l'écran. Donc j'importe interact. Donc je prends l'exemple de tout à l'heure. Vous montrer avec le curseur ce qui se passe. Voilà. Donc voilà, si je clique sur OK, je le décoche. Vous voyez, ces trous en bas, je le décoche. C'est devenu false. Et là, je peux bouger mon entier. Tac, tac, tac. Vous voyez, l'entier évolue. Donc, c'est des pas de 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mon flottant. Voilà. Vous voyez, il bouge en bas. À la sortie, il s'adapte. En temps réel.
Oui, il y a, je sais plus, je connais plus par cœur, mais il y a un interact prend un autre argument qui dit qu'on refresh qu'au moment où je lâche la souris. C'est ça la question? Non, non, c'est au moment où je relâche la souris. D'accord? Donc tant que je bouge le curseur, il ne se passe rien, et quand je le lâche, ça se met à jour. Mais on doit pouvoir faire aussi avec la souris. Donc là, c'est pareil, si je choisis. Bon, j'ai déjà. Ouais, pouvoir, c'est pas. Une pomme, et voilà, ça s'est mis à jour automatiquement. Et je peux faire pareil avec des graphiques. Donc là, je prépare les graphiques. Voilà. Et là, il va gérer parfaitement une sortie graphique aussi et la mettre à jour en temps réel. Voilà, mon notebook. Enfin, c'est un tout petit ordinateur. Il a un peu de mal. Hein, il est un peu lent. Mais voyez l'idée. D'accord? Il y a un peu de temps à rattraper. Il y a une petite latence. Mais je vous assure, sur un ordinateur de bureau, c'est tout à fait fluide. Voilà, deux questions. Merci. Hop, je ferme tout.